La crise sanitaire de Covid-19 a eu un impact significatif sur tous les secteurs dans le monde. Les ampleurs de ces sévices sont telles que les autorités de tous les pays ont dû repenser les politiques de développement et de résilience pour s'adapter et anticiper la survenue d'une situation similaire. Sur le plan sanitaire, l'une des stratégies mises en place par l'Union africaine, par exemple, a été d'opérationnaliser sa volonté de produire des médicaments nécessaires aux Africains sur le sol africain en lançant la première usine de fabrication de médicaments et de vaccins à ARN messager d'Afrique au Rwanda, avec pour finalité la production de médicaments sur le sol africain pour combler le gap de la fracture de l'accès aux médicaments. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la recherche. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous consacrer à la finalité de toute action politique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Le plus difficile, Monsieur le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. Une politique qui contribue à la modernisation des infrastructures du continent, mais surtout à l'autonomisation du continent en matière d'accès aux médicaments, mais qui va permettre à terme de juguler la crise du médicament dont les manifestations dans les pays africains sont le sous-approvisionnement, la levée des enchères ou encore la fourniture de médicaments de qualité inférieure ou douteuse. Nous avons besoin de médicaments de qualité à un coût abordable pour permettre à nos populations de se soigner. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la difficulté d'avoir des sources fiables. Et dans le cas de la Covid, par exemple, nous avons pu le voir, dès qu'il y a une demande forte sur un produit, ça attire automatiquement l'appétit de tous ceux-là qui, à côté, cherchent les failles de nos systèmes pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, même avec des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Au Sénégal, l'urgence de s'adapter et d'anticiper la survenue de maladies à potentiel épidémique a été un challenge pour les autorités qui ont très tôt mis sur pied des politiques et mécanismes comme le Comité national de gestion des épidémies avec pour mission la surveillance permanente des risques de survenue de maladies épidémiques, le Centre des opérations d'urgence sanitaire qui accompagne les urgences de façon opérationnelle avec les équipes d'intervention rapide. Des stratégies qui ont permis de contenir et finalement de maîtriser la crise de Covid-19 qui est survenue en mars à travers le monde. Nous pensons aujourd'hui au niveau du continent africain. Avec toutes les ressources qu'on a, avec tous les moyens dont nous disposons, il suffit juste de les rationaliser, de les mettre ensemble, mais d'avoir accepté également une coordination pour mettre fin vraiment à ce que nous avons traversé. Mais surtout, nous pensons qu'il y aura encore devant nous des catastrophes naturelles, il y aura encore devant nous des chocs comme la pandémie Covid-19. La modernisation des infrastructures médicales du continent africain est un élément important dans sa quête pour son développement, conditionné par une population en bonne santé. En 2021, la Banque africaine de développement a lancé la stratégie pour les infrastructures sanitaires de qualité en Afrique 2020-2030, avec pour objectif de juguler les déficits d'infrastructures de santé en Afrique, mis en évidence par la pandémie de Covid-19.